tous les serial killers exercent une fascination délirante. Guy Georges, il adore, évidemment. Guy Georges, quand on parle de lui, il est super content. C'est une star. C'est une star. En gros, nous, on se disait, quand est-ce qu'on va l'avoir, cette ordure ? Franchement, c'est à peu près notre credo tous les matins. On a pris un retard une nouvelle fois qui s'est soldé par la perte de la vie pour deux jeunes femmes qui étaient dans la fleur de l'âge. J'ai oublié pendant quelques minutes, parfois, que j'étais en face de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Le jour où nous sommes tombés sur le bon numéro, ça a été un choc. Vous avez l'impression d'avoir affaire à un monstre, et quand vous voyez un homme, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension humaine qui ne cadre pas avec la dimension monstrueuse. Il n'est plus l'homme, le monstre qu'il a été. Il est revenu dans la cour des hommes. La presse l'a surnommé le tueur de l'Est parisien. Les policiers l'avaient baptisé SK1 pour Serial Killer numéro 1. Il a terrorisé la capitale pendant des années. Guy Georges, l'homme aux deux visages, beau mec, sympathique, drôle, mais aussi prédateur, sadique et tueur sans pitié. L'affaire Guy Georges, c'est un extraordinaire raté de la police scientifique balbutiante. Une insoupçonnable guerre des polices, un procès fait aux médias et l'illustration de l'étrange fascination qu'exercent les criminels sur le public. Plus de 15 ans après cette affaire, que sont devenus ces acteurs? Qu'a-t-elle changé au niveau des lois, des investigations scientifiques, des méthodes d'enquête, de l'approche judiciaire? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Guy Georges et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Peine maximale pour Guy Georges, perpétuité avec 22 ans de sûreté. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du procureur. Soulagement des familles de victimes qui souhaitent que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Tout commence le 24 janvier 1991 à Paris. Pascal Escarfaille, une étudiante en droit de 19 ans, ne donne plus aucune nouvelle depuis quelques jours. Alertés, les policiers se rendent chez la jeune femme. Mais il est trop tard. Pascal Escarfaille est morte. Tout de suite, ce qui surprend, c'est, je dirais, la particulière sauvagerie du crime auquel nous sommes confrontés. Pascal Escarfaille se trouve dénudée en perpendiculaire par rapport à son lit. Elle laisse apparaître une plaie béante à hauteur du cou et au niveau de la carotide. Pascal Escarfaille a été violé. Le tueur a découpé ses vêtements de manière très particulière. Le pantalon en forme de Z, la culotte sur le côté et le soutien-gorge entre les deux bonnets. Nous étions partis sur, on peut le dire, un détraqué à caractère sexuel. Détraqué, on ne sait pas, mais à l'évidence, c'était le mobile du meurtre. Un détraqué sexuel que les policiers ne parviennent pas à identifier. Un détraqué sexuel qui va se tenir tranquille pendant 3 ans, avant de récidiver. 3 ans, jour pour jour, après le meurtre de Pascal Escarfaille, une autre jeune femme est assassinée en plein cœur de Paris. Catherine Rocher, 27 ans, est retrouvée morte dans son parking. Il y avait une espèce de démarche particulière, peut-être perverse. Ce qui a été confirmé par l'autopsie, car il a été établi que le corps de Catherine Rocher présentait un certain nombre de blessures réalisées par arme blanche, mais certaines de ces blessures n'étaient pas, étaient superficielles. C'est-à-dire que donc ne pouvaient pas causer la mort. Donc manifestement, l'auteur avait à terme porté des coups mortels, mais avait une démarche qu'on peut assimiler à de la torture. Torturé. Catherine Rocher a elle aussi été violée. Ses vêtements ont été découpés avec les mêmes particularités. L'assassin n'a laissé aucun indice, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. Les mois passent et là encore, l'enquête piétine. 10 mois plus tard, le 9 novembre 1994, je dirais que d'une certaine manière, il y a un rebondissement, car mademoiselle Elsa Benadi,
a été agressée dans la nuit, à peu près dans les mêmes conditions. Elsa Benadi, 22 ans, la troisième victime, violée, torturée et égorgée dans un parking parisien. Les similitudes avec l'assassinat de Catherine Rocher sont saisissantes. Nous constatons que s'agissant des vêtements de la victime, le soutien-gorge de la victime est sectionné entre les bonnets. Le pantalon présentait une découpe particulière, c'était un Z, ça ressemblait à un Z. Il était flagrant que nous avions exactement la même découpe. Les policiers pensent donc qu'ils sont face à un tueur en série, un tueur des parkings. La scène de crime est passée au peigne fin. Dans la voiture d'Elsa Benadi, ils trouvent un premier indice, une tache de sang sur un prospectus. Et là, pour la première fois, nous avions quelque chose qui pouvait être exploitable, et qui était même peut-être beaucoup plus important. Il s'agissait, dans l'absolu, peut-être en tout cas, du sang de l'auteur. Le problème, c'est qu'en 1994, il n'existe aucun moyen de comparer cette tache de sang. Alors, le dossier est archivé dans un laboratoire d'analyse génétique à Nantes, en espérant qu'un jour ce sang, cet ADN, puisse être comparé à celui d'un suspect. Mais pendant ce temps, les crimes continuent. Un mois plus tard, le corps d'Agnès Nischkamp, une décoratrice d'intérieur hollandaise de 33 ans, est retrouvé chez elle, près de la Bastille. C'est une scène de crime donc extrêmement violente. On comprend aussi qu'il y a eu des violences sexuelles. Sur le corps d'Agnès Nischkamp, les enquêteurs retrouvent des traces de sperme. Une empreinte génétique est tirée de ce sperme et baptisée SK1 pour Serial Killer numéro 1. L'ADN est aussitôt comparé à celui de la trace de sang retrouvée dans la voiture d'Elsa Benadi. Mais ça ne colle pas. Ce crime n'a donc a priori rien à voir avec les meurtres des parkings. Il est donc confié à un autre groupe d'enquêteurs. Des policiers qui font le rapprochement avec le tout premier meurtre, celui de Pascale Escarfaille, tuée elle aussi dans son appartement. Pour les policiers, il y a donc deux assassins. Celui des appartements et celui des parkings. Alors, quand 7 mois plus tard, Hélène Frinking est retrouvée égorgée chez elle dans le 10e arrondissement, les policiers n'ont aucun doute. Le tueur des appartements a encore frappé. Ils en ont la preuve. Son ADN est le même que celui de SK1 retrouvé dans l'appartement d'Agnès Nischkamp. On sait qu'il y a quelqu'un de potentiellement extrêmement dangereux dans la nature et c'est une espèce de course contre la montre. Quelqu'un de dangereux qui tue dans les appartements, qui frappe encore, mais qui pour la première fois va rater son coup. Sa victime, Elisabeth Ortega, réussit miraculeusement à s'échapper en sautant par la fenêtre. Mais son agresseur a laissé son ADN sur un mégot de cigarette et grâce à la jeune femme, les policiers établissent un portrait robot. Pendant ce temps, l'autre tueur, celui des parkings, semble avoir fait une pause. Mais les enquêteurs continuent leur traque. Ils décident d'entendre tous les détenus arrêtés pour des agressions sexuelles dans la capitale. C'est ainsi qu'en septembre 1995, un certain Guy Georges, incarcéré justement pour une agression sexuelle, est entendu par la brigade criminelle. En septembre 1995, Guy Georges est une piste parmi tant d'autres. Mais, par acquis de conscience, nous avons quand même décidé de demander un prélèvement sanguin. Tout simplement, car je le rappelle, dans le cadre de l'affaire Benadi, nous avions cette tâche que nous avions relevée sur la scène de crime, et il nous fallait demander d'extraire l'ADN, de faire une comparaison entre le sang de Guy Georges et par ailleurs la tache de sang qui a été découverte sur les lieux. Mais l'ADN de Guy Georges ne correspond pas à celui du tueur des parkings, et rien dans son interrogatoire n'en fait un suspect. Ni pour les policiers qui enquêtent sur le tueur des parkings, ni pour ceux qui recherchent le meurtrier des appartements. Alors, personne ne songe à comparer son ADN à celui de SK1. Guy Georges est reconduit en cellule, où il finit tranquillement sa peine. 2 ans plus tard, il est libre. Et 3 mois après sa sortie, il recommence.
Le 23 septembre 1997, une étudiante de 25 ans est retrouvée égorgée chez elle, dans le 19e arrondissement. Elle s'appelle Magali Sirotti. Moi, je me souviens très précisément aussi de notre arrivée sur la scène de crime de Magali Sirotti. J'ai tout de suite eu cette vision, surimprimé un peu les autres scènes de crime que nous avions vues du même ordre. Et on s'est regardé avec mon chef de section et son procédurier. Et dans le silence, si vous voulez, on s'est parlé. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est sûrement lui. Tout le monde pense au tueur des appartements. Mais personne ne fait le lien avec la sortie de prison de Guy Georges, qui tue encore. Un mois et demi plus tard, Estelle Magde, 25 ans, est retrouvée égorgée et violée dans son appartement près de la Bastille. Le mode opératoire est toujours le même et là encore, le tueur a laissé son ADN. Mais à l'époque, le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, n'existe toujours pas. Alors, écœuré, le juge d'instruction Gilbert Thiel décide d'ignorer la procédure. Il tente un coup de poker. Près de 20 ans plus tard, il s'en souvient encore. Gilbert Thiel, le FNAEG n'existait pas au moment où vous traquiez Guy Georges et vous n'avez pas hésité à enfreindre la loi pour combler ce vide. Non, je n'ai pas enfreint la loi, effectivement. À l'époque, il n'y avait pas de fichier, donc pas de rapprochement possible d'affaire à affaire entre les empreintes génétiques qui pouvaient être éparpillées dans les différents laboratoires. Donc, prenant acte des carences législatives, puisque les Britanniques avaient quand même un fichier génétique qui était à peu près opérationnel dès l'année 1995, eh bien, je me suis constitué un outil de travail. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire que j'ai dû délivrer une dizaine de missions d'expertise à tous les laboratoires, avec pour mission, voilà, j'ai un profil génétique recherché dans vos fichiers, si vous avez déjà traité une affaire dans laquelle ce profil génétique apparaît. À tous les laboratoires de France, tous les laboratoires de France, public, privé, oui. Et comment ça a été reçu ? Ça a été reçu avec beaucoup de circonspection de la part des laboratoires publics. On m'a fait savoir que je crée un fichier interdit par la loi. J'ai dit non, je ne crée pas un fichier qui n'ait pas une quelconque vocation à la pérennité. Je me crée un outil de comparaison qui disparaîtra avec le reste de la procédure. Finalement, ils sont revenus à la raison. Sans doute un peu sous la menace de voir le courrier qui avait exigé et de porter la responsabilité, surtout d'une nouvelle victime. Et puis tout le monde s'est mis au travail. C'était un gros travail de compilation, de recherche et de comparaison. C'était une solution de la dernière chance. C'était un des derniers moyens qu'on avait pour identifier rapidement ce tueur en série. Et c'est comme ça qu'on va retrouver Guy Georges en l'identifiant, en le comparant, puisqu'il avait le même code génétique que ce fameux ADN inconnu. Ce jour-là reste gravé dans la mémoire du docteur Olivier Pascal. Le jour où nous sommes tombés sur le bon numéro, ça a été un choc, puisque à la fois, un côté très positif, on venait d'identifier enfin ce tueur en série, et surtout un côté très négatif, en se disant, on l'avait dans nos archives, et on ne le savait pas, et on est passé à côté. Et malheureusement, on savait que deux jeunes filles avaient été tuées depuis. C'est forcément la première seconde, un soulagement, une certaine satisfaction pour l'enquête. Et dans les secondes qui suivent, une immense frustration, parce qu'on se dit, mais... c'est inouï, ce garçon est passé dans nos murs, enfin, donc on a tourné autour, enfin, il s'est passé. Donc quelque chose a échappé. Mais pas le temps de se morfondre. Guy Georges identifié, il faut l'arrêter, et vite. La brigade criminelle distribue sa photo à tous les policiers de la région parisienne. Les gares, les aéroports sont alertés. Mais le 26 mars au matin, coup de théâtre. Le journal de Jacques Esnoux. Bonjour, exclusivité RTL à la une de l'actualité ce matin. Le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Alors que dans le plus grand secret, tous les policiers de la capitale sont sur la piste de Guy Georges,
RTL dévoile l'information au risque d'alerter le tueur. Plusieurs journalistes qui étaient au courant à l'époque se sont retrouvés face à un cas de conscience. Le patron de la PJ nous supplie à tous, nous confirme qu'il est identifié et nous supplie de ne pas divulguer l'identité, de ne pas divulguer cette information parce que sinon, ce tueur en série risque de s'échapper et de rester en cavale pendant très longtemps. Tout le monde respecte, tous les journalistes, on est avant tout citoyens, on respecte cet embargo et on attend. À RTL, ils ont pris une option différente. Le tueur de la Bastille identifié, il s'agit d'un certain Guy Georges. Bon. Ça a déclenché une panique terrible. Le justice a failli casser son bureau. Et finalement, il a été arrêté. Je dirais fort heureusement qu'on a pu l'interpeller aux alentours de 12h35 parce que il risquait à tout instant de croiser un magasin de télévision où il aurait pu voir son visage sortir et présenter au journal de 13h. Et là donc il nous l'a dit, il se faisait à l'idée que la seule chose à faire à ce moment-là c'était de voler une moto, c'est ce qu'il nous a dit, de partir en Espagne. Gilbert Thiel, que pensez-vous du rôle joué par les journalistes dans cette affaire ? Bien là aussi, à tout pécheur miséricorde, on a évoqué les difficultés de la police, les difficultés du juge, la difficulté d'un certain nombre d'institutions. Enfin là, on est encore un cran au-dessus. Là, c'est la concurrence. C'est pas entre les deux groupes de la brigade criminelle. Là, c'est la vraie concurrence avec ce que ça implique. C'est le premier qui va dégainer. Alors tout c'est le monde s'était en disant, oui, c'est la course au scoop, en disant, d'accord, on dit rien, mais vous nous informez dès que ça se passe. Simplement, paraît-il qu'il y en a un qui avait enregistré son bobino la veille pour être prêt à dégainer, etc. J'ai fait part de mon indignation auprès du rédacteur en chef de la station de radio périphérique, à l'époque, Olivier Masserolles. Et il a quand même eu l'honnêteté de présenter ses excuses à la justice, ça c'est pas très important, mais aux familles des victimes. Mais qu'est-ce qu'ont fait les autres journalistes ? Dès le moment où c'est parti, ça a été repris. Eh bien, ils ont fait pareil. Et puis eux, ils ont donné le nom de Guy Georges, parce qu'il faut toujours un petit plus dans l'information. Alors, je pense m'être exprimé suffisamment clairement là-dessus pour que par-delà les difficultés qu'a connues cette enquête, là, on est à un autre stade. On est au stade de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité. Aujourd'hui, ce serait différent ? Ce serait pire. Ce serait pire. Maintenant, vous prenez les chaînes d'information permanentes, ben ce serait du direct, et avec pour résultat que là, on ne le trouverait pas. Dès son arrestation, Guy Georges est inculpé pour les 3 meurtres où son ADN a parlé. En garde à vue, grâce à l'habileté des enquêteurs, il finit par avouer les 4 autres meurtres pour lesquels il n'y a aucune preuve contre lui. Des aveux qu'il n'aurait peut-être pas passés aujourd'hui. Aujourd'hui, en garde à vue, l'avocat intervient dès la première heure. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans l'audition de Guy Georges ? C'est-à-dire que c'était déjà quelqu'un de complètement buté, braqué. Je suis pas sûre que l'avocat ait favorisé les choses. Et puis, soyons clairs, vous en avez certains dont le but du jeu est de dire « Bon, écoutez, vous dites rien, et voilà, il se passe rien. » Alors là, je vais vous dire, on avait l'individu favorable pour ne rien dire. Je crois pouvoir vous dire que c'est important avec ce type d'individus qui sont quand même, attention, des esprits complexes. Ces esprits de tueurs en série, si vous n'arrivez pas à tisser ce petit lien ténu entre lui et vous, vous n'obtenez rien. Alors évidemment, on peut dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, il y avait de l'ADN sur les scènes de crime, Guy Georges, il était coincé, etc. Oui, bien sûr, même s'il n'avait pas avoué, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est évidence, on ne s'est pas trompé d'individu. Mais c'est quand même mieux que nous ayons des aveux incontestables, descriptifs. Et c'est lui qui raconte. On a franchement des procès-verbaux et qui sont, c'est l'anthologie au point de vue du serial killer. Un serial killer qui est condamné sans surprise
pour 7 viols et homicides à la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Guy Georges restera dans les annales judiciaires françaises comme le tueur en série, grâce ou à cause duquel un fichier des empreintes génétiques a été créé, le FNAEG. Désormais, toute personne condamnée ou mise en cause dans un crime ou un délit d'atteinte aux biens ou aux personnes y est fichée. Aujourd'hui, le FNAEG existe. On le présente comme l'arme fatale. Est-ce que c'est vrai ? C'est un outil extrêmement important. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on n'ait plus cet outil ? Pourquoi ? D'abord, il y a 2 600 000 individus dans la base. C'est pas neutre. Je précise que ce ne sont pas des honnêtes gens. Voilà. FNAEG, c'est pas fait pour mettre tout le monde comme le grand fantasme de notre société. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il a donné depuis sa naissance, depuis le départ de ce fichier jusqu'à aujourd'hui? C'est 260 000, 270 000 rapprochements d'affaires. Des affaires sans doute quelquefois difficiles. Vous vous rendez compte, c'est pas neutre, le nombre de rapprochements. Voilà, ça fait à peu près en moyenne, si vous voulez, ces dernières années, à peu près 25 000 rapprochements par an. Donc c'est l'arme fatale. C'est un très bon outil, voilà. Un très bon outil, un avis pas forcément partagé. Ce qu'on peut regretter, c'est que dans ce pays où on a mis tellement de temps pour mettre en place cet outil, après, c'est un peu la politique du tout ou rien. Alors, on est parti du rien et après, on a voulu tout y mettre, y compris le voleur, l'ADN du voleur de pommes qui a croqué la pomme devant les caméras de visio-surveillance et devant 23 témoins et qui a été arrêté en flagrant délit par la police. Là, je suis beaucoup plus réservé parce que les outils n'ont pas des capacités illimitées. Alors d'abord, ça coûte de l'argent, parce que les prélèvements, ça coûte de l'argent. Le traitement, ça coûte de l'argent. Ça prend du temps. Et je crains que si on continue comme ça, avec ce fichier absolument pléthorique maintenant dans son domaine d'application, ils ne finissent par saturer au niveau des résultats et puis surtout des délais de traitement. Fichier, pas fichier, pour certains, le débat dans l'affaire Guy Georges n'est pas là. Pour les avocats de la Défense et Maître Frédéric Ponce, en tête, si l'on n'a pas identifié SK1 plus tôt, ce n'est pas à cause d'un manque de fichiers, mais à cause d'une défaillance humaine. Celle de l'expert, Olivier Pascal. Alors ça, c'est un vrai raté. C'est un vrai raté. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que c'est un raté qui est passé totalement inaperçu et que... depuis cette affaire Guy Georges, on n'arrête pas de dire « Ah, mais s'il y avait eu un fichier, on l'aurait arrêté. » Alors que c'est précisément l'inverse. Olivier Pascal et son équipe ont analysé tous les prélèvements effectués sur les scènes de crime signées Guy Georges. Or, toujours selon l'avocate de Guy Georges, l'ADN de SK1 aurait été mal répertorié. Il y aurait eu une faute de frappe. Au lieu de terminer la dizaine de chiffres qui constituaient cet ADN par 1, 2, la série se terminait par 1, 3. C'est cette malheureuse faute de frappe qui aurait permis à Guy Georges de passer entre les mailles du filet et de tuer encore deux fois. Je ne dis pas qu'à l'époque, ils ont mal décrypté. Ils l'ont correctement décrypté. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où vous tapez un rapport, si ce décryptage est erroné, ou tout du moins si le résultat tel qu'il parvient au juge d'instruction est erroné, c'est effectivement assez catastrophique. Donc c'est pour ça que je dis le fichier, c'est pas le fichier le problème. Dans le fichier, si vous rentrez une fausse information, quand vous comparez, vous avez toujours une fausse information. Ce qu'il faut, c'est au moins que les transcriptions soient justes. Pour Maître Ponce, même si l'on avait pu comparer l'ADN de Guy Georges avec celui de SK1 plus tôt, à cause de cette faute de frappe, on n'aurait pas su qu'il était le tueur. Une accusation balayée aujourd'hui par le docteur Pascal. Docteur Pascal, dans l'affaire Guy Georges, il y a cette histoire de chiffres 1-2, 1-3, une faute de frappe qui aurait été commise au laboratoire. Ça n'aurait rien changé et de toute façon, on a bien identifié l'ADN de Guy Georges comme étant identique à celui et ceux différents qu'on a trouvés sur les différentes victimes.
malgré cette erreur de frappe, un seul chiffre, vous l'auriez identifié de toute façon. Au vu du nombre de chiffres que contient son empreinte génétique, il est clair qu'il n'y avait pas d'interrogation sur l'identité, même à un chiffre près. C'est combien de chiffres, une empreinte génétique ? Aujourd'hui, nous sommes à 32 chiffres, plus le sexe, ce qui donne un bon numéro de loto. Et à l'époque ? À l'époque, on était à 16 chiffres, donc un petit peu moins, mais ça donne toujours une bonne combinaison de loto. Au-delà de l'aspect scientifique, l'affaire Guy Georges, c'est aussi l'affaire qui a mis en lumière l'existence d'une guerre des polices au sein même de la prestigieuse brigade criminelle de Paris entre deux chefs de groupe. Il y a eu surtout une grosse concurrence entre le groupe Pellegrin qui s'occupait des victimes tuées dans les parkings et le groupe Sanderson qui s'occupait des filles en appartement. Il y avait un manque de communication entre ces deux chefs de groupe et un peu de rétention d'informations. Ils ne se parlaient pas, chacun gardait ses tuyaux pour essayer d'aboutir dans son enquête. Ce sont deux grands officiers de police, mais dont on ne peut pas dire qu'ils passaient leurs vacances ensemble, et dont on ne peut pas dire non plus qu'ils échangeaient très activement les informations. C'était plutôt un petit peu en concurrence. Ils ne pouvaient pas saquer les deux chefs de groupe. Donc après, quand Martine Monteil est arrivée à la tête de la brigade criminelle, elle a essayé d'organiser des réunions un peu plus de conciliation, enfin, où chacun devait mettre sur la table ce qu'il avait comme élément, mais sans non plus pouvoir relier complètement ces deux types de crimes. Cette rivalité a-t-elle permis à Guy Georges de passer entre les mailles du filet et de tuer encore ? Martine Monteil, avec le recul, la rivalité entre les deux chefs de groupe, elle a eu des conséquences sur cette enquête ? Ce serait stupide de nier l'évidence. C'est assez dommage, je crois qu'il y a eu effectivement un manque de communication à l'époque, dû à une affaire d'hommes, de circonstances aussi, parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus sur la rivalité entre les hommes. Il y avait plusieurs choses. D'abord, on n'avait pas l'outil, fichier empreinte génétique. Et puis, nous avions un portrait robot assez approximatif. On a pu le savoir que très, très bien plus tard. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans ces premières affaires. Il y a quand même aussi des circonstances qui ont fait que, forcément, ils n'avaient pas le sentiment d'avoir non plus l'homme, vous voyez, qui vous fait un petit peu vibrer en disant « Tiens, ça pourrait être lui ». Voilà. Là, il y a eu un dysfonctionnement. Ça veut dire que si ces deux-là s'étaient parlé, ces deux chefs de groupe, peut-être est-ce qu'ils auraient vu, eux, plus vite, les similitudes entre les meurtres ? Oui, je pense. Encore pour ça, fallait-il effectivement joindre l'ensemble de ces dossiers, les confronter et regarder tous les indices qui pouvaient concorder dans l'ensemble des affaires. Mais quand on ne se parle pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On finira par l'arrêter, mais on l'arrêtera trop tard. Sur les premiers, il n'y avait rien à dire sur le plan du développement des enquêtes et de la stratégie judiciaire. Mais on est bien obligé de constater qu'en septembre 1997 et au mois de novembre 1997, on a pris un retard une nouvelle fois qui s'est soldé par la perte de la vie pour deux jeunes femmes qui étaient dans la fleur de l'âge. Je l'ai dit aux familles des victimes à l'époque, je n'ai pas présenté mes excuses aux victimes, je leur ai demandé pardon au nom de l'institution que je représente et au nom de l'institution sans laquelle la justice n'est rien, c'est la police judiciaire. On aurait certainement pu être meilleur. Être meilleur ? Mais les policiers en avaient-ils les moyens ? On parle beaucoup de la guerre des polices, on a parlé beaucoup de rivalité à l'époque de l'enquête de Guy Georges. Je crois que de façon beaucoup plus simple, c'est plutôt que la brigade criminelle a manqué de moyens, était accablée de travail, s'est retrouvée avec différents grands dossiers à traiter. À des époques, on le rappelle, il y avait aussi la mort de la princesse Diana, l'attentat de Saint-Michel, du métro à Saint-Michel par exemple, aussi en 95. Donc c'est des périodes qui ont fait que finalement, ce sont des policiers qui travaillent curieusement avec extrêmement peu de moyens pour
envoyer un fax, il leur fallait, en tout cas à l'époque, aller dans d'autres services, passer leur fax. Donc c'est presque surréaliste. Tout aussi surréaliste, l'admiration que suscite Guy Georges depuis son arrestation. Bon nombre de femmes, fascinées par le tueur de l'Est parisien, entretiennent aujourd'hui encore des correspondances avec lui. Guy Georges, j'allais dire, c'est con à dire, pardon pour le mot, mais je n'en trouve pas d'autre. Guy Georges est beau, c'est un beau mec. C'est un beau mec, il a du charme, il fait pas peur. Et il y a donc quelque chose d'énigmatique dans le fait que ce soit un monstre à visage d'ange. Et ça ne peut pas laisser insensible tout le public, essentiellement féminin. Guy Georges, vous allez boire un café avec lui. Et il avait vraiment une double vie. La journée, il était charmant. Il était dans les squatteurs très souvent, il jouait de la batterie dans un groupe, il était adorable avec toutes ses petites amies, il en avait plein, jamais violent, jamais brutal. Et puis le soir, il se mettait en chasse, c'est lui-même qui revendiquait ce terme, car il avait une fascination pour le tigre, qui est le plus bel être du monde selon lui. Et comme un tigre, il suivait ses proies. C'est ce décalage, je crois, qui est surprenant. Vous avez l'impression d'avoir affaire à un monstre, et quand vous voyez un homme, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension humaine qui ne cadre pas avec la dimension monstrueuse. Certaines de ces femmes lui envoient même de l'argent pour qu'il puisse cantiner. Une situation dont le tueur en série va tirer parti. Le fan club fonctionne, c'est-à-dire qu'il reçoit des lettres, et non seulement il reçoit des lettres, mais il écrit. Il répond. Il a une belle écriture, il fait assez peu de fautes d'orthographe et il correspond avec des jeunes femmes. Il a eu 3 ou 4 fiancées successives. Il a eu des velléités de mariage avec la fille d'un médecin. Il avait une obsession, c'était de faire un enfant et de pouvoir s'en occuper. En prison, il fait énormément de sport et c'est un détenu modèle, hein, comme tous les serial killers. Parce qu'il espère bien être libéré en 2020. Après sa peine de sûreté de 22 ans. Maître Ursulet, vous êtes toujours en contact avec Guy Georges. Il a fait du mal à des femmes et des femmes aujourd'hui lui écrivent et lui font des déclarations d'amour. C'est malsain. C'est malsain, cet intérêt est malsain. Homme ou femme, on a le droit d'écrire, de tendre une main, de regarder, d'échanger avec quelqu'un qui est coupé pendant de longues années de la vie de tous les jours. Ça, c'est humain et c'est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est le regard intrusif, voyeur, pour savoir ce qui se passe, à trouver le petit trou de la serrure. C'est pas, moi, je trouve pas ça très sain. Aujourd'hui, le temps a passé. Qu'est-ce qui a changé en lui ? Il n'est plus l'homme, le monstre qu'il a été. Il est revenu dans la cour des hommes après avec ce procès. Il y a eu tout un mécanisme de rédemption qui, je l'espère, se terminera par une sortie et une réinsertion dans la société. Pour comprendre l'homme et la fascination qu'il exerce, place aux experts. Lorsque Guy Georges est arrêté, le juge d'instruction en nomme plusieurs pour le rencontrer. Et pas n'importe lesquels. Le docteur Zaguri, qui est quand même le pro des tueurs en série en France, s'était dit quand il a entendu à la radio en fait, les crimes, ce type qui a commis de telles horreurs, dont jamais. Alors celui-là, je ne veux pas l'expertiser négatif. Et donc, il se retrouve commis, il va voir Guy Georges, plein d'appréhension et de dégoût.
Et finalement, Guy Georges le flatte en lui disant qu'il est le plus grand expert, etc. Il commence à discuter football, il discute d'autres choses. Et Zaguri a été assez séduit par Guy Georges, qui par ailleurs lui a expliqué pas mal de choses de son enfance. Et donc, c'est instauré une relation, en fait, assez proche hein, entre ce tueur en série et Zaguri. Docteur Zaguri, avant de rencontrer Guy Georges, avant d'être désigné par le juge d'instruction, vous aviez des craintes. Ben, avant de rencontrer Guy Georges, j'étais comme n'importe quel citoyen, c'est-à-dire que j'étais le mari de ma femme, le père de mes filles, et que je lisais les journaux où on parlait du tueur de l'Est parisien ou du tueur de la Bastille. Donc je me disais, j'avais les mêmes pressentiments, préjugés... La même aversion. La même aversion que n'importe quel citoyen. Seulement... à partir du moment où on me confie l'affaire, en tant qu'expert psychiatre, si je raconte mes impressions de citoyen, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc à ce moment-là, je deviens psychiatre. Donc vous devenez psychiatre, vous allez le voir, et là, vous vous retrouvez face à un homme charmant. Alors charmant, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Mais effectivement, il est courtois, il est aimable... Il est souriant. Je dirais que j'ai oublié, pendant quelques secondes ou pendant quelques minutes parfois, que j'étais en face de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Docteur Zaguri, vous trouvez ça normal, ces fans de Guy Georges, au point de lui écrire, de le visiter en prison, voire de vouloir l'épouser ? Si je vous dis que c'est normal... vous direz, cet homme est cinglé. Non, normal, non. Alors, je dirais que c'est un degré, un ou plusieurs degrés de plus de l'attirance d'un certain nombre de femmes pour des voyous, pour des mauvais garçons. Mais là, on est quand même dans autre chose. L'un des éléments de réponse, me semble-t-il, c'est une particularité du désir féminin chez certaines femmes. C'est-à-dire que, très profondément, elle se dit, là je ne parle pas de Guy Georges, bien entendu, cet homme qui est homosexuel, qui ne désire que des hommes, moi, par la force de mon amour, par la force de mon désir, je vais être la première femme qu'il va désirer. Moi, il va m'aimer, vraiment. Et ce mauvais garçon... où ce paradigme du mal, eh bien moi, je vais en faire un ange, je vais en faire un type bien. Elles ont des troubles mentaux, ces femmes ? Ce ne sont certainement pas des cas exemplaires d'épanouissement psychique, sûrement pas. Néanmoins, ce ne sont pas nécessairement des malades mentales. Ce qui étonne, c'est que le mal ne se voit pas. Que l'on n'emporte pas les stigmates sur le visage. Le mal, il est caché, il est moral, il est masqué. Et effectivement, il y a, si vous voulez, dans la fascination du public, cette interrogation qui est comment un homme, avec cette apparence-là, a pu commettre ça ? Guy Georges fascine certaines femmes, mais il intéresse aussi les journalistes et les cinéastes. Après avoir été la source d'inspiration d'un nombre impressionnant de livres, Le Tueur de l'Est parisien fait l'objet d'un film. SK1, La traque de Guy Georges, adapté du livre de Patricia Touranchot et réalisé par Frédéric Tellier sur les écrans en 2015. Frédéric Tellier, pourquoi avoir voulu faire ce film ? Pour l'intensité de l'histoire et de l'affaire qui n'avait pas été traitée. Et dans le cinéma, il y a une part de cinéma de transmission. Et cette histoire, me semblait-il, en faisait partie. Est-ce que c'est un personnage qui vous a fasciné à un moment pour lui consacrer non. un film
Non, 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 pas du tout. En plus, moi, mon film n'est pas sur Guy Georges, il est sur la traque, sur ce qui s'est passé, les conséquences de ça. Donc c'est un film à double point de vue. Le point de vue des policiers, en particulier un policier qui a été obsédé par cette histoire pendant presque 10 ans, 8 ans de traque, et en parallèle, le contretemps de l'avocate, Frédéric Ponce, avec son associé qui ont défendu Guy Georges. Donc Guy Georges, pour moi, est un personnage assez secondaire dans mon histoire. Il incarne plus le mal et comment on vit avec ça, comment on traite ça, en fait. C'est un film réaliste ? Ouais. C'est un film très réaliste, puisqu'il est sur ces vrais personnages que j'ai découvert des grands êtres humains derrière ces affaires-là. Je ne parle pas du meurtrier, bien sûr. J'ai découvert derrière les policiers des grands êtres humains, derrière les avocats, des humains blessés qui sont obligés de trouver des positions et de... Même dans des zones de turbulence extrême, on ne peut pas ne pas avoir de justice. C'est un moyen de digérer une histoire et de la décrypter aussi, ça, un petit peu. Les familles de victimes sont inquiètes. Elles craignent que vous fassiez de Guy Georges une sorte de héros. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Les familles, je les ai toutes contactées, donc elles ont été au courant. Mon travail était assez transparent et à leur demande. Voilà, il y en a, je comprends légitimement que dans la douleur, il y en a qui ne se sont pas rapprochés de nous. Voilà, en tous les cas, ce n'est pas un film voyeuriste sur Guy Georges, ni un film qui le starifie. C'est un film qui essaye de réfléchir à comment le mal nous impacte, tous. Un mal qui impactera toujours les familles des victimes. Il y avait de l'amour et de l'amitié entre ces familles et beaucoup de dignité. Et je pense que ça, c'est la deuxième condamnation de Guy Georges. Une condamnation réellement perpétuelle. Il a fait du mal à des gens qui sont dignes et qui restent dignes dans le mal. Les familles ne s'en remettront jamais. Moi, je garde surtout le lien avec Anne Gauthier. Qui était une ancienne enseignante et qui est assez ouverte d'esprit, assez originale aussi, qui a mené sa co-enquête pendant l'enquête policière et qui, elle, a brûlé le jour où son avocate lui a donné tout le dossier d'instruction de l'affaire Guy Georges et des crimes, de l'assassinat de sa fille. Elle a tout brûlé dans son jardin comme un auto-da-fé, quoi. Plus on entend parler. Chacun vit évidemment ses suites à sa façon. Il y en a qui arrivent à se reconstruire un peu, même si je n'aime pas cette expression. Et puis d'autres qui y arrivent moins bien, mais je crois que pour chacune d'entre elles, les choses se sont arrêtées à un certain moment et que ça ne pourra pas reprendre comme avant, bien sûr. Aujourd'hui, les familles des victimes ne veulent plus parler de Guy Georges. Seul Jean-Pierre Escarfaille, le père de Pascal, a accepté de nous rencontrer pour évoquer sa fille, mais surtout son combat. Jean-Pierre Escarfaille a engagé une procédure contre l'État pour faute lourde. Car c'est après avoir obtenu un régime de semi-liberté, alors qu'il était enfermé pour viol, que Guy Georges en a profité pour fuir et pour tuer sa fille. Alors Guy Georges tue Pascal Escarfaille et ensuite il se met à l'abri en prison. En fait, il réintègre la prison et il y a un truc incroyable, c'est que le juge d'application des peines considère sa reddition comme un bon point. Alors qu'en fait, Guy Georges vient d'assassiner une jeune fille, la violer dans des conditions épouvantables. Et en fait, il réintègre la prison pour se mettre à l'abri et se protéger. Le problème, c'est que personne n'a cherché à savoir ce qu'avait fait Guy Georges pendant ce laps de temps. C'est pour cette négligence que la justice a fini par donner raison à la famille de Pascal Escarfaille. Mais ce qui anime Jean-Pierre Escarfaille, c'est la volonté de lutter plus efficacement contre la délinquance sexuelle. C'est pour cette raison qu'il a monté l'APAX, l'Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels. Jean-Pierre Escarfaille, pourquoi avoir monté cette association ? C'est très simple. Avec d'autres parents de victimes, on s'est rendu compte pendant le procès de tous les dysfonctionnements qu'il y avait pu y avoir. Et on s'est dit qu'il fallait essayer d'œuvrer pour sauver finalement des destins et des vies. Donc le premier domaine, c'était d'éviter les récidives.
donc par le fichier des empreintes génétiques, ensuite par le bracelet électronique mobile qu'on a promu, parce qu'à la sortie de prison, énormément de violeurs récidivent, et donc il faut absolument empêcher ça. Votre fille a été la première victime de Guy Georges, la première jeune femme qu'il a tuée, c'était en 1991. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, je dirais que ça va à peu près. Bon, c'est quelque chose qu'on supporte difficilement, qu'on cache un peu. Mais finalement, à travers les actions qu'on a menées, moi-même et d'autres parents aussi, on arrive à se reconstruire et à passer dans l'action au lieu d'être dans le désespoir. C'est ça qui est essentiel. Lorsque vous pensez à Guy Georges, qu'est-ce que vous vous dites ? Je pense que c'est un malade. C'est un malade. Malheureusement, ce type de maladie, ça soigne très difficilement, voire pas du tout. Donc, c'est un peu sans espoir. La sortie de prison de Guy Georges, c'est quelque chose que vous craignez ? Un peu. Même beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un type comme ça n'est pas forcément guéri de ses pulsions, de sa maladie, et qu'il peut à nouveau commettre des crimes. C'est pas impossible. Faut-il surveiller à vie les délinquants sexuels ? Peut-on envisager de laisser sortir un jour un homme comme Guy Georges ? S'il devait sortir un jour, je lui ai posé la question devant la cour d'assises. Et il m'a répondu qu'il valait mieux le laisser en prison parce qu'il était constitué comme il était constitué et qu'il n'y pouvait rien. Je pense que ça renferme tout le personnage. C'est probable que ce soit dangereux de le laisser sortir. Vous savez, il y a eu un expert qui a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit « Guy Georges appartient à l'administration ». Depuis, finalement, son premier placement, etc., il a dit « c'est un enfant de l'administration, il appartient à l'administration ». L'administration et sa famille. Voilà. La question de la libération de Guy Georges devra pourtant se poser un jour. Une question qui en entraîne une autre. Docteur Zaghuri, comment est-ce qu'on peut évaluer la dangerosité pour quelqu'un comme Guy Georges ? Alors, vous posez une question extraordinairement difficile. Parce qu'on a l'impression que c'est une question d'ordre scientifique et qu'on pourrait, en quelque sorte, séparer ce qui est de l'ordre de la responsabilité de la société, du choix politique, et ce qui est de l'ordre d'une réalité scientifique. Et c'est absolument impossible. Je vais vous faire une réponse absurde. Peut-être, que les experts qui le verront au moment où on les sollicitera estimeront que la probabilité qu'il récidive, par exemple, soit de 1 sur 10. Est-ce que la société peut prendre ce risque ? Ou de 1 sur 50 ? Ça n'est pas à l'expert psychiatre de le dire. C'est à la société de prendre ses responsabilités et de ne pas mettre sur le dos de la psychiatrie des questions fondamentales qui la concernent. Le psychiatre qui examinera Guy Georges, le collège de psychiatres, car évidemment personne ne voudra y aller seul. Donner un avis tout seul, et à juste raison. Et on le comprend. Le collège, il y a deux choses que le collège ne pourra pas dire, avec certitude. Ce qu'il ne pourra pas dire, c'est premièrement, Guy Georges va récidiver. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de lieux communs, ce sont des tueurs en série, ils récidivent toujours, ben ça n'est pas vrai. Mais donc, le collège ne pourra pas dire. Guy Georges va récidiver à coup sûr. Mais le collège ne pourra pas dire non plus « Guy Georges ne va pas récidiver ». Le collège pourra circonscrire un risque,
très important, important, moyen, minime. Et à partir de là, la société prendra ses responsabilités. En attendant, du fond de sa cellule, Guy Georges continue à correspondre avec ses fans et a même entrepris d'aller plus loin. Guy Georges est flatté qu'on parle de lui. Il voulait lui-même faire un livre. Il avait fait, paraît-il, 200 pages. Et il avait eu d'ailleurs le culot d'envoyer une lettre au juge Gilbert Thiel en lui disant qu'il était à la recherche d'un éditeur. Et puisque lui, le juge, était édité chez Fayard, il pouvait peut-être lui donner un coup de main, quoi. Donc il ne manque pas de culot. Il vous a écrit d'ailleurs, à vous, après sa condamnation, bien la provocation évidemment. Ou de l'immaturité totale, ou de la provocation, probablement les deux à la fois. Ouais. Mais il vous dit aussi que dans ce livre, il va révéler sa vérité, qui est beaucoup plus complète que la vérité judiciaire. Bien évidemment, la vérité judiciaire est toujours, par définition, incomplète. Notamment parce qu'on ne sait pas exactement, malgré les expertises auxquelles il a été soumis, ce qui se passe dans la tête de Guy Georges. Mais ceci étant, les leçons que voudrait donner Guy Georges avec des effets d'annonce, c'est vraiment sans importance. Guy Georges sera libérable à partir de 2020. Le tueur en série aura alors à peine 60 ans.